Mais Yagabe a bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parler Bassa pour les nuls. Tu sais que cette chaîne-là, c'est fait pour quoi? Hein? C'est fait pour aider les débutants à parler Bassa, à commencer à parler Bassa. Parce que nous-mêmes, on est ensemble. On débute en Bassa. Toi, tu débutes, nous, on débute. Donc, on a fait cette chaîne pour s'entraider. Donc, si tu veux, reste connecté, abonne-toi à la chaîne. Mets un petit quoi? Pouce bleu. Voilà, mets un petit pouce bleu pour nous encourager si tu aimes ce genre de vidéo. Et si tu veux, en dessous, tu peux faire partie de notre groupe Facebook. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux entre nous, entre débutants, pour s'entraider, n'est-ce pas, hein? Ok, c'est bien. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va faire des phrases qui concernent la famille. Parce qu'on va faire plus en plus de vidéos avec des phrases toutes faites que vous pouvez répéter. Bon, on est débutants comme vous. On n'a pas toujours nécessairement le temps. Tu vois, mais en tout cas, on va pouvoir s'entraider. Si vous avez connu quelqu'un qui a le plus le temps, allez-y, dites-lui qui vous donne le temps. Mais comme ça, au moins, vous pouvez commencer à faire des phrases. Donc là, ça se concerne les phrases de la famille. On va traduire en français, on va parler en bas, ça, on va traduire. On commence avec quoi? Première phrase. Pour demander comment ta maman va, on dit Banyong Ankelela ou Banyong Ayembo. Donc, alors moi maintenant je réponds quoi? Je réponds Ah, Ini Ayembo. Tu vois? Donc, quand on pose la question Banyung Ayembo, tu vois? On va pousser le mot, poser sur la question Ayembo. Quand tu réponds maintenant, oui, elle va bien, tu dis Ini Ayembo. C'est-à-dire, ma mère, elle va bien. C'est comme ça, tu vois? On essaie de tenter le temps. Allez, ok. Pour dire comment va ton père, on dit Basson Ankelela ou Basson Ayembo. Donc, quand tu dis ça maintenant, tu vois, donc moi je vais répondre Tata Ayembo. Je dis donc, hein, oui, mon père va bien. Donc, le ba, b, a, qu'on rajoute avant, c'est un peu un langage soutenu. Tu vois, c'est peut-être est-ce que machin, tu vois, c'est un langage soutenu. Mais tu n'es pas obligé de le mettre. Sinon, si tu veux bien parler en langage, tu mets le bas. Baa. Donc, tu l'enlèves. Vous savez, Song Ayembo. Hein? Nyung Ayembo. Tu vois, tu peux faire aussi comme ça. Non, la phrase suivante, c'est comment? Pour demander comment va ton frère, on dit Bamanyong Ayembo. Donc, moi maintenant, je réponds Manke, Anke Longue. Mon frère va bien. Ou manke nous moura ayembo, c'est-à-dire que ma soeur va bien. Nous moura, ça veut dire c'est le féminin, tu vois. Donc on peut dire manke nous moura, mais généralement, hein, on ne traduit pas, on dit manke ayembo. Mais si tu veux vraiment insister que ce soit ton frère et ta soeur, tu dis manke nous moura ayembo. Manke nous moura ayembo. Donc mon frère va bien ou ma soeur va bien. Pour dire combien de frères et sœurs tu as, on dit Ouwe Donc, et moi je réponds Ça veut dire que j'ai trois frères. Hein, ça peut être trois frères, trois sœurs. Enfin, voilà. C'est les deux, quoi, tu vois. Donc tu peux encore après rajouter Mourat, Moulou. Donc, ça veut dire que j'ai trois frères, trois sœurs. Ok, on continue, non? Pour demander où vit ta grand-mère, on dit Majo Aninghe. Voilà, donc on peut dire Majo Aninghe, Bombo Aninghe, Bombo Yong Aninghe, ta grand-mère vit où, tu vois. Et là, je dis, Majo Aning Imakak. Elle vit au pays, au village, à Makak. Tu vois, donc voilà. Pour demander quel âge ont tes enfants, on dit bon. Et là, donc, bon, et moi, je réponds, Manuem nous mang agwe, agwe jobli nui nimina. Manuem nous agwe nui ma. Tu vois, donc je dis mon premier enfant, mon enfant le plus âgé, mon premier, mon aîné, il a 14 ans. Mon deuxième enfant a 2 ans. Tu vois, voilà.
Donc tu peux encore récupérer ces phrases. Okay. Bon, tu vois un peu, non? On a fini. On a fini. Tu vois les phrases comme ça, les bassins et tout. Tu vois, donc, tu peux prendre, tu peux piocher quelques phrases là-bas que tu vas voir pour demander. Généralement, on est là. Quand on est en famille, on demande. Quand on est en famille, c'est bon. Quand on est en famille, justement, quand tu es en famille, généralement, on demande les nouvelles de chacun. Où est-ce qu'un tel vit? Comment un tel va? Qu'est-ce qu'il devient? Tu vois toujours les nouvelles. C'est ça un peu la culture des Africains. Pas seulement des bassins. Hein. Je pense que l'Afrique, c'est toujours comme ça. On demande les nouvelles de la famille. Donc, tu pourras apprendre des phrases maintenant pour pouvoir dire, hein, tu pourras parler. On est pour pouvoir demander les nouvelles de la famille. C'est bon, non? Léa, yesengandak. Yesengandak. Ça veut dire que la famille, c'est important. C'est ça qu'il a voulu dire, c'est ça non? Tu vois non? Donc tu vois, une technique de conde pour Bassa, d'apport Bassa. Petit à petit, on fait notre chemin et on va parler Bassa. Un lié. Ton. Lié. Ton. Ton. En haut. En haut. Allez, à bientôt la famille pour la nouvelle vidéo. Demander, généralement, on est là. Quand on est en famille, on demande. On va faire des tout le temps. Donc quand on est là en famille, on demande. Quand on est en famille, c'est bon.